parce qu'en fait, on avait prévu. Du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui. Quelques mots, c'est juste dire. Brièvement. Donc, moi, je m'appelle Chantal Manès-Bonisseau. Je suis rectrice de l'Académie de La Réunion. Et je suis arrivée dans ce poste en août 2020. D'accord. Et tout d'abord, quel a été votre parcours professionnel en tant que femme? Mon parcours professionnel, il a commencé par être lycéenne. Je suis née à La Réunion, j'ai fait mes études secondaires à La Réunion, ensuite j'ai fait mes études supérieures à Paris. J'ai été enseignante d'anglais, je suis spécialisée en anglais, j'étais enseignante d'anglais. Ensuite, j'ai fait un certain nombre de choses, j'ai quitté l'éducation nationale, j'y suis revenue, j'ai aussi eu un... J'ai passé quelques années à l'étranger, aux États-Unis, où j'ai travaillé dans la coopération éducative entre les États-Unis et la France. Et puis, je suis revenue en France, où j'ai été inspectrice pour l'anglais, inspectrice pédagogique régionale dans l'Académie d'Amiens. Et ensuite, je suis revenue à Paris, où je me suis occupée d'international, parce que les langues, l'international, c'est assez proche. Puis, je me suis beaucoup occupée aussi de numérique et d'apprentissage des langues par le biais de... du numérique. Et ensuite, je suis devenue inspectrice générale, toujours pour les langues vivantes. Et ensuite, en 2020, je suis devenue rectrice de l'Académie de La Réunion. Et puisque c'est un peu la thématique d'aujourd'hui, quelle est l'importance de justement mettre en avant la journée des droits de la femme dans les établissements? Je pense que c'est très important. Vous venez de le dire, les échanges avec vous, les jeunes de votre temps, montre que cette égalité filles-garçons, elle est encore très en chantier. Même si je pense que... En plus, à La Réunion, je pense que les femmes, elles ont une voix. On dit que la société réunionnaise est assez matriarcale, hein, c'est ce qu'on dit. Ça n'empêche pas qu'il y a énormément de violences intrafamiliales, qu'il y a énormément encore de clichés, encore des rôles très stigmatisés, très étiquetés. Donc il faut continuer à lutter contre ça. L'école joue un rôle essentiel dans cette sensibilisation des jeunes, garçons et filles. Je pense aussi qu'il y a un sujet de réussite scolaire des garçons. Les garçons, aujourd'hui, à La Réunion, ont un taux de décrochage plus important que les filles, réussissent moins à l'école. Et je pense qu'il faut aussi s'attacher à cela pour que chacun, dans une société qui est une société apaisée, qui fonctionne bien, c'est une société où tout le monde a sa place. Les garçons ont leur place, ou les filles ont leur place, et pas une société où on se heurte les uns aux autres pour faire sa place. C'est le sens de ce que je voudrais porter comme message, c'est qu'un monde, ça se construit ensemble. Et c'est ça que je voudrais que les jeunes, à qui on va passer le flambeau hein, de la construction de société, voilà, on construit une société ensemble, filles, garçons, hommes et femmes. Et l'école a un rôle très important à jouer, pour que cet état d'esprit s'installe dès le début dans des écoles et des collèges et des lycées qui sont mixtes. Donc les garçons et les filles se côtoient tous les jours, se parlent, se voient, échangent et ont l'occasion de se traiter en égal, de faire les choses ensemble et pas de se heurter et de se faire la guerre. Donc et je pense que c'est possible de construire cette société-là et que c'est le rôle de l'école. C'est pour ça que je trouve que ce qui est fait aujourd'hui dans cet établissement est assez remarquable parce qu'il montre l'engagement des jeunes filles, l'engagement des jeunes hommes qui sont là et puis aussi la façon un peu ludique et un peu théâtralisée de l'aborder, la façon engagée aussi de travailler avec la commune qui est fait dans le cadre du CLSPD par la présidente du conseil municipal des jeunes qu'on a vu au lycée, qui est élève du lycée. Vous avez aussi l'ancienne présidente du conseil départemental des jeunes. Donc, c'est un lycée où les élèves sont très engagés, filles et garçons. Et donc c'est pour ça que j'ai souhaité être aujourd'hui avec vous et valoriser et soutenir ce que vous faites et puis vous encourager à le développer. Et en tant que rectrice, comment le rectorat pourrait améliorer justement l'égalité entre les filles et les garçons? Alors le rectorat travaille en mettant d'abord ce thème-là en valeur dans les projets stratégiques académiques. Nous avons un projet stratégique académique qui comprend 4 axes. Le premier axe, ça s'appelle créer les conditions de la réussite.
pour les jeunes et pour les et aussi pour les personnels. Et créer les conditions de la réussite, c'est faire en sorte que vous, les jeunes filles, les garçons, quand vous arrivez dans un établissement scolaire, il faut que vous vous sentiez bien, que vous vous sentiez respecté, que vous vous sentiez écouté et que vous puissiez vous sentir protégé. Et ce thème de l'égalité filles-garçons contribue à ce sentiment de protection que vous pouvez avoir. Il y a très concrètement, il y a une chef d'établissement qui est la principale de Célimène Gaudieu, qui est la référente pour l'académie de cette thématique filles-garçons. Et elle travaille beaucoup avec tous les établissements pour que dans chaque établissement, il y ait un professeur référent qui soit donc en charge d'animer ce thème-là, de travailler évidemment sous l'autorité du chef d'établissement. Le rôle du chef d'établissement est primordial. Le rôle des professeurs qui prennent en charge ces thématiques-là aussi est primordial. Donc aujourd'hui, dans l'Académie de la Réunion, on a un référent dans tous les établissements. On a formé aussi ces référents et on a également participé à une démarche qui est une démarche de labellisation des établissements qui souhaitent être reconnus pour leur action. Donc on a des établissements qui sont portés volontaires. Et le 30 mars, nous aurons une commission qui va se réunir au niveau de l'académie, qui va labelliser les établissements. Donc ça veut dire que ces établissements auront un soutien du rectorat pour porter ces thématiques. Il y a également, j'en ai parlé au chef d'établissement et à toute son équipe, il y a également un financement par le rectorat qui est possible à travers un fonds d'innovation pédagogique pour lequel l'Académie de la Réunion a été dotée par le ministère. Et donc les établissements qui soumettent un projet dans le cadre de ce fonds d'innovation pédagogique. Et vous avez plusieurs projets qui sont susceptibles de participer à cette candidature-là. Vous pouvez bénéficier d'un soutien financier du rectorat pour le développer. Je pense à l'atelier théâtre, même si ce que vous faites. Il y a beaucoup, monsieur le proviseur, de choses que nous pouvons valoriser et soutenir. Donc, pensez-vous que ces interventions pourraient aider les futures femmes dans leur vie ? Oui, je pense que ces interventions forment des jeunes femmes et des jeunes hommes qui sont eux-mêmes, qui ont un socle solide de valeurs, qui comprend cette valeur, respect et égalité. Et je pense que ces jeunes femmes que vous êtes, eh bien, quand vous serez adultes, vous aurez toute votre vie pour continuer à porter ces valeurs, les encourager à se développer, à s'ancrer dans les mentalités. Donc oui, je pense que l'école et ce que vous faites aujourd'hui change votre vie et change aussi celle de votre entourage, des enfants que vous aurez, mais aussi des amis que vous côtoyez, mais aussi de vos parents. C'est-à-dire que vous avez, vous les jeunes aussi, non seulement un rôle pour le futur, mais vous avez un rôle pour le présent, parce que souvent c'est vous qui faites passer les messages aux adultes avec qui vous vivez ou que vous côtoyez. Des choses que vous n'acceptez pas ou que vous pouvez pointer avec humour. L'humour, c'est un très bon vecteur de message. Voilà. Toujours un petit peu de recul et toujours un petit peu d'humour pour faire passer les messages et pointer des situations. Comme le théâtre le fait, c'est une très bonne manière de pointer les choses. En faisant prendre conscience des choses, elles ne vont pas changer du jour au lendemain, mais c'est sur le temps et c'est sur la longueur. 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, disait le poète. Donc oui, vous allez, je pense que ce que vous faites change des vies. Et pour finir, c'est une question un peu plus différente. Oui. Mais les scènes présentées pendant le directeur forum mettaient justement en scène des relations assez violentes. Oui. On se demandait, selon vous, comment on peut trouver un équilibre justement dans une relation. D'abord, il faut vouloir, au départ, vouloir cet équilibre et vouloir le vouloir de manière partagée. Moi, je crois beaucoup à l'expression, on a beaucoup parlé d'expression orale. Si la réforme du lycée, elle a introduit l'expression orale et la capacité à s'exprimer, c'est pas pour rien, c'est pas juste pour vous dire vous aurez une épreuve au bac, on va vous demander de présenter un projet. C'est parce que la capacité à mettre en mots les émotions, c'est ça qui fait la différence dans les relations humaines. Moi, j'étais professeur en collège. Et vous devez vous souvenir, c'est bien pas très loin dans vos mémoires, mais au collège, souvent, c'est par le physique qu'on passe. Donc les élèves se poussent, on se pousse, on court. Quand on n'est pas d'accord, on a tendance à se bousculer, se taper dessus.
Parce que quand on est encore très jeune, on ne sait pas encore mettre en mots ses émotions ou ses désaccords. Donc être capable, dans une situation de tension ou de désaccord, de dire, on s'assoit autour d'une table, on se parle, toi tu vois ta position là-dessus, tu ne veux pas laver le bébé parce que tu estimes que ce n'est pas ton rôle, moi je suis une femme et vraiment je pense que c'est important que tu me respectes et que tu prennes ta part, au lieu de se dire, bah, vas-y toi, occupe-toi du bébé, ou bien vas-y, moi j'en fais trop, ou bien vas-y. Donc, savoir poser les choses, mais des deux côtés, et s'entendre pour ensuite arriver à un consensus ou à se dire bon, on n'est pas d'accord là-dessus, mais c'est pas pour autant que tu es mon ennemi. Je pense que c'est beaucoup par l'expression et les mots. C'est pour ça que j'ai aussi parlé de lecture tout à l'heure, parce que je pense que la lecture et que l'écriture et que les prises de parole, développer la capacité à parler et à s'exprimer, je pense que c'est une clé de la paix intérieure individuelle, mais aussi d'échanges pacifiés avec les gens. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enfants, et ça on le voit à La Réunion comme je l'ai pu le voir ailleurs, hein, où je citais en métropole, les enfants à La Réunion, il faut que les parents leur apprennent à parler autrement que par des coups. Quelquefois, on voit beaucoup de jeunes encore qui pensent que la seule manière de dire « je suis pas d'accord », c'est de dominer l'autre, et souvent par une violence physique. Et souvent, c'est un aveu de faiblesse, ça. C'est vraiment un aveu de faiblesse. Ça veut dire que je ne sais pas te convaincre. Si ma seule manière de te convaincre, c'est de te taper dessus, ça veut dire que je ne t'ai pas convaincu. Et ça veut dire qu'en fait, je suis faible. Et ça veut dire que je suis dominé par mes émotions et ma colère. Et être capable de dominer ça et de faire ce travail sur soi, de dire « attends, là, je suis en colère, pourquoi je suis en colère ? Il m'énerve, il a dit quelque chose, ça ne me plaît pas. » Pourquoi ça ne me plaît pas ? Je me pose, j'attends un peu. Le proviseur vous le dira, quand il y a quelque chose qui lui déplaît, il ne réagit pas. On attend un petit peu, on laisse les choses se poser, et ensuite on les met en mots, par écrit, par oral, calmement. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas ferme. On peut défendre une position, et plus on y a réfléchi, plus on a construit ses arguments, et plus on a de chance de finalement convaincre et donc gagner ce qu'on cherche, atteindre son objectif, on ne va pas dire gagner sur l'autre, mais atteindre son objectif. Et ça, c'est une leçon de vie absolument première. Et c'est à ça que ça sert, la préparation au grand oral. Et le fait que vous ayez une journaliste avec vous qui vous aide à préparer ça est essentiel parce que c'est un expert, c'est quelqu'un qui maîtrise les mots et qui va vous aider à vous aussi les maîtriser. Et maîtriser les mots, maîtriser le verbe, c'est maîtriser le monde, votre monde, votre parcours. C'est très fort. Je suis un peu longue, hein, je ne sais pas à peu près. Hein. C'est très fort. Voilà, je vous dis ce que je pense. Et je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Absolument. C'est très profond. C'est un pouvoir. C'est un pouvoir. C'est un pouvoir. D'ailleurs, on voit bien hein, les grands orateurs. Écoutez, les grands orateurs, c'est extraordinaire. Mais cette professeure qui anime cet atelier de théâtre, elle maîtrise le verbe. Voilà, elle vous fait passer tous les messages, et elle tape sur personne, elle hurle pas, elle crie pas, elle n'est pas violente, mais elle fait passer ses messages, elle a beaucoup de force. Donc c'est vraiment des beaux moments de vie pour vous. Des moments non seulement de vie, mais d'apprentissage. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, j'espère que j'ai répondu à vos attentes. Merci.